Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je m'appelle Razika. C'est parti pour un petit tour, comme tous les dimanches matins, à Action de Thiers Village. Allez, on commence par un petit tour dans les plaids avec, je vais vous en montrer deux, parce qu'il y en a plein, mais je ne vais pas faire vraiment une vidéo spéciale plaid. On a plaid, on a celui-là à 8,95€, c'est celui avec des petits nids d'abeilles, j'appelle ça nid d'abeilles. On a du beige, du vert, du gris. Et du rouge, ils font 2 mètres sur 2,20 m. Alors, regardez bien la taille quand vous en achetez un. Ça dépend c'est pourquoi, parce qu'il y en a qui sont plus petits que d'autres. Alors, c'est vrai que c'est, si c'est pour vous allonger sur le canapé, etc., vaut mieux qu'il soit grand. C'est plus pratique. On a ceux-là, style un peu fausse fourrure. Les petits paniers pour servir les frites, 1,58 €. Alors, ceux-là sont plus grands qu'un des modèles qui était sorti en cours d'année. Et ceux-là, je les ai vus qu'en noir, par contre. On nous montre des frites, mais vous pouvez très bien servir des légumes ou des choses comme ça à l'intérieur. Bon, il faut que ce soit assez grand pour que ça tienne, puisqu'il y a des petites grilles. Mais pourquoi pas, des petites courgettes grillées, des petites aubergines grillées, pourquoi pas. Ah, c'est la période des sablés. On a 10 emporte-pièces à 1,99 €. C'est des emporte-pièces standards. Hein. On a l'étoile, la lune, le petit bonhomme. Quand je vois ce petit bonhomme, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça remonte il y a beaucoup d'années même. Vous savez, c'était un dessin animé. Moi, je me souviens, j'étais toute petite. Et en fin de compte, c'était un monsieur comme ça, puis il y avait un sorte de, comment dire, de trait noir. Et en fait, le trait noir faisait naître les objets, les personnages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit dessin animé. Je crois que c'était un petit truc qui passait avant les infos. 1,99 €. Tiens, les moules à gâteau, les 4 pièces. Alors hier, pareil, j'ai vu sur le groupe Arrivage Action par Mes Secrets de Nana, quelqu'un qui avait partagé donc des petits gâteaux qu'elle avait fait avec ses moules et elle en était très contente. 1,99 € les 4. Alors par contre, ce pistolet à biscuits en inox avec plusieurs formes et plusieurs douilles à 3,99 €. Alors moi, je l'ai acheté, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. J'en étais satisfaite, mais je vois beaucoup de personnes justement avoir des soucis à l'utilisation. Donc dites-moi, vous, si vous en avez un, si vous en êtes satisfaite ou pas. Alors je me demande parfois si c'est pas la texture de la pâte. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit trop fluide ou trop épaisse. Voilà, 3,99 €, il existe aussi en rouge. Remis en rayon, c'est ce kit pâtisserie avec les douilles, enfin la poche à douilles et les douilles. Il y en a 7. Tiens, nettoyant lave-vaisselle, 1,60 €. Non, c'est pas nettoyant. Si, nettoyant lave-vaisselle. Par contre, j'ai pas le prix. En fait, je connaissais pas en petite capsule comme ça. Je connaissais en liquide, le petit flacon à mettre dedans. En fait, vous enlevez le bouchon, vous le mettez dans votre lave-vaisselle et vous faites partir un cycle. Je connaissais pas en petite capsule comme ça. Ou bien du moins, il y a peut-être un petit moment. Cure à décolleur d'autocollant, ça je sais que vous êtes beaucoup à le rechercher. Il est vraiment très efficace. À la fois, vous m'avez demandé la différence avec l'acétone, et du coup, quand vous me posez des questions, des fois, quand je n'ai pas la réponse, je réfléchis. Et puis, quand je ne trouve toujours pas la réponse, je ne vous réponds pas. Et vous m'avez demandé si c'était mieux que l'acétone. Vaut mieux, je pense, utiliser ce genre de produit. L'acétone, c'est quand même assez fort. Et pareil, même avec ce produit-là, faites attention quand vous l'utilisez de ne pas abîmer la surface que vous voulez nettoyer. Donc, essayez quand même sur un petit coin. Donc, ça, c'est pour enlever, je ne sais pas, les autocollants qui restent sur les réfrigérateurs, sur les meubles d'enfants. Souvent, sur les armoires d'enfants, on va mettre des autocollants, des stickers. Et puis, au bout d'un certain temps, on n'est plus fan de ces stickers. On veut les enlever et il reste, vous savez, la colle. Donc, on peut l'enlever avec ça. C'est 1,99 €. Et j'ai vraiment quasiment que des retours positifs. On a les recharges pour le nouveau produit Good to Nature. Donc il y a 2 recharges, 2 x 750 ml. Je crois qu'à l'intérieur c'est une sorte de poudre, il faudra rajouter de l'eau. Donc les recharges sont à 2,58 €. En fait c'est pour ces produits... Ah non, c'est pas ceux-là. Non, bah non. Alors je sais plus, les Good to Nature, je les vois pas. Alors, il y en a plus, mais en tout cas il y a ces produits-là, c'est des produits éco. À 1,50 €. Après, vous pouvez très bien mettre les recharges dans ce genre de pistolet. Hein. Donc 1,59 €. Donc il y en a pour la cuisine, les vitres et la salle de bain et les toilettes.
tiens une nouveauté avec ces petits sachets de perles. Donc des petits sachets de perles. C'est nouveau, c'est un peu la même, c'est la même marque que ça, les cartes là parfumées. Donc à l'intérieur, il y a trois petits sachets comme ça que vous allez mettre dans votre linge, dans votre penderie, etc. Mais n'hésitez pas à fabriquer vos propres pochettes parfumées. Alors c'est vrai que là, le rayon créa est fermé, mais il y a des petites pochettes, vous savez, en organza. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre des petites billes d'assouplissant. Voilà, ce genre de billes. Après, il y a des marques. Hein, si vous avez une marque préférée, pas de souci. Là, je ne vois pas d'autres marques que celle-ci. C'est 2,79. Alors, moi, j'ai testé les deux. J'ai aimé les deux. Et ça sent vraiment bon. Alors, ça ne va pas rester des mois et des mois, mais au moins trois premières semaines, ça sent très bon. Vous pouvez les mettre dans le linge, dans votre couloir. Tiens, le retour de ces petits mugs fleuris. Donc, 99 centimes. Il y a le bleu, il y a le noir et blanc. Le bleu et blanc et le vert. Moi, comme ça, premier coup d'œil, j'aime bien le bleu. Et il y a aussi du noir au fond. Allez, sur les conseils de Saïda, et merci Saïda, je vous représente ce produit. Donc, je vous ai déjà montré, mais je ne vous ai pas donné mon avis parce que je ne l'ai jamais testé. Et apparemment, il est très bien, surtout si vous n'aimez pas les odeurs fortes et tout ça. Ils sont en plus à 99 centimes, donc c'est vraiment intéressant. Merci Saïda. Alors hier, je vous ai partagé dans l'onglet communauté les poêles, puisque j'ai fini par les acheter. Alors, par contre, elles ne sont pas cette semaine à 18,95, elles sont en promo, je crois, à 14,95. Et vous êtes beaucoup à vous être interrogé sur le manche. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que je vous ferai un haul. Mais en fait, ce n'est pas du bois. Hein. Donc voilà. Et franchement, je les ai déjà utilisées depuis que je les ai achetées, peut-être 3-4 fois. Pour le moment, elles ne collent pas, mais c'est toujours pareil. Hein. Je vous en reparlerai dans quelques semaines. C'est sûr que quand on achète quelque chose, encore heureux le premier jour, enfin quoi qu'il y a des choses, voilà. Mais encore heureux, au premier jour, ça colle pas. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Tiens, je cherchais aussi pour moi perso un thermomètre d'intérieur. Il y a celui-là, je pense que je vais le tester. Il est à 3,69€, il existe en noir ou en blanc. Donc vous voyez, elles sont là les poêles. Alors c'est pour ça que je vous dis toujours dans les, enfin, le mercredi, quand je vous présente la vidéo du mercredi, quand vous voyez des choses en pub, etc., et que vous ne les trouvez pas dans le rayon, la semaine d'action, allez voir dans le rayon respectif. Et même si, vous voyez, tout à l'heure, il y avait encore 18,95€, elles passeront à 14,95€. Alors, autre chose aussi qui est en promo cette semaine, c'est la petite étagère en bambou à 9,95€. Alors, pareil, hein, ces prix-là, ils sont valables jusqu'à mardi soir prochain. Tiens, le retour aussi de ce miroir grossissant. À 4,95€. Alors, petit plus, c'est qu'en fin de compte, il a une sorte d'effet ventouse. Bah, on le voit mieux là-haut. Donc, vous pouvez le mettre sur du carrelage ou directement sur un autre miroir. Alors, j'ai vu pareil une photo sur le groupe Action Arrivage par mes secrets de Nana où une personne avait mis ça sur le miroir et avait mis de l'autre côté aussi, vous savez, bon, je ne le vois pas en rayon, les lumières là en sorte de néon. Sur le côté, et vraiment ça faisait très très joli, et du coup comme ça on ne peut pas se rater. Et celui-là il est grossissant 5 fois. Tiens, une nouveauté avec cette chaise de bureau modèle luxe. Alors moi c'est le côté gaming qui m'intéresse, puisque mon fils m'a demandé justement une chaise de gamer. Du coup, donc bureau et gaming, elle est à 59,95€. Je pense que lui il aurait voulu une plus haute, mais à voir. Donc elle existe. Alors celle-ci, elle est noire et blanche. Donc 59,95€. Et tiens, un petit coup dans le multimédia avec cette enceinte XXL. Et cette table de mixage à donc 99,95€. Je vous montrerai plus de descriptifs dans une autre vidéo. C'est parce que là, j'ai pas accès. J'ai pas envie de bouger les cartons. Donc voilà. En tout cas, sachez qu'à Action, il y a ce genre de produit. Allez, avant de terminer, un petit tour dans les coffrets avec ce coffret à 5,95€, coffret cadeau pour le bain. Alors, je ne sais pas celle-ci parce que je ne me souviens plus de ce coffret-là. Mais des fois, quand vous avez des petites roses comme ça, parfois, c'est du savon. Donc, il faut juste le mettre dans votre bain et c'est du savon. C'est pas pour décorer. Je dis ça parce que la dernière fois, j'avais vu des petites roses. Je pensais que c'était pour décorer. Pas du tout. C'était du savon. On a celui-là. Donc, qui ressemble étrangement à un autre coffret de grande marque. 5,79€. Il y a celui-là et celui-là aussi. 4,56€. On a ce coffret aussi à 3,79€.
Alors, quand vous achetez des coffrets comme ça, c'est ce que je dis, hein, vous n'êtes pas obligé de les garder dans leur carton d'origine. Vous pouvez très bien les déballer et les mettre dans une petite panière. Ça fait toujours plus d'effet, je trouve. Et vous les emballez avec le papier cadeau, vous savez, transparent. Moi, j'appelle ça papier de fleuriste. C'est toujours très joli. On a ce coffret aussi à 4,95€. Coffret un petit peu sirène. Allez, quand même un petit tour côté sous-vêtements avec les débardeurs pour les garçons à 3,99€. On a soit les deux débardeurs, soit un lot avec un débardeur et un boxeur à 3,39€. Vraiment, moi, je crois que c'est ce que je vous dis. Hein, je vous incite vraiment à venir regarder. On a aussi, tiens, la version fille. À venir regarder, je vous fais un plan plus large, ici, si vous voulez acheter des sous-vêtements pour vos enfants. Alors j'ai vu que la dernière fois, ils avaient même une collection justement pour pré-ados avec des brassières, petits soutiens-gorge et tout ça. Et il y a vraiment des choses intéressantes et parfois, voilà, comme là, c'est mini, les deux débardeurs pour 3,99€. Donc il y a soit sans marque, soit avec leur héros. Et vraiment, c'est des sous-vêtements qui tiennent au lavage, au sèche-linge. Donc il y a aussi les sous-vêtements femmes. Hein. Alors, juste petit, enfin, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de tout ce qui est soutien-gorge. C'est dommage, mais en tout cas, niveau slip, boxer, ils ont vraiment pas mal de choix. Alors, moi, c'est cette gamme que j'aime beaucoup. Je crois que je vous la montre. Hein. 3,99€, il y en a deux. En fait, c'est les dessous invisibles sans couture. Et la petite nouveauté que j'ai découverte la semaine dernière, c'est ça. C'est tout ce qui est gaine. Donc, il y a le slip taille haute de 99, on a le débardeur. Et on a la robe sculptante 4,49€. Alors, selon ce que vous allez mettre, choisissez le bon sous-vêtement gainant. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je vous dis un exemple, si vous prenez une culotte haute comme ça et que vous mettez une robe, on risque de voir les petits plis là en haut. Tiens, je vous montre toujours des chocolats, mais on a aussi des réglisses dragéfiées. Alors, ce genre de réglisse, moi, j'aime bien, pas trop, un petit peu. Mais je sais qu'en général, quand il y a des bonbons et tout ça, moi, mes enfants, ils n'aiment pas ça. Enfin, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas trop la réglisse. C'est vrai que c'est un peu particulier. Mais là, en tout cas, c'est 1,85€, ceux-là. Et la réglisse douce est à 1,42€. Tiens, dites-moi si vous aimez ou pas la réglisse. Mettez-moi team réglisse ou pas réglisse. Allez, à Marseille, ça repart. Oui, je sais, je vous la fais souvent, cette pub, mais j'aime bien, je la trouve rigolote. Donc les Mars, il y a plusieurs, il y a les petits, les 12 pièces à 1,72€. On a le pack de 3, 1,07€ ou les mini-bars à 1,29€. Un petit coucou à Malika pour finir cette vidéo. On finit cette vidéo cette fois-ci, normalement c'est les chocolats, mais les sauces, parce que je les ai vues du coin de l'œil. Vous voyez, les Mars sont juste là. Et j'ai vu cette sauce, c'est la sauce César, donc c'est une sauce spéciale crudité. Et la sauce piquante, elles sont à 1,39€. Voilà, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.